Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, Amen, Alléluia. Jeudi à dimanche 12 avril 2020, nous bénis bon Dieu dans l'occasion ça, dans dimanche ça. Bon Dieu qui te sauve de vie dans nous, bon Dieu qui te la vie dans nous, pour nous continuer à faire service lui, bien entendu. Nous remercions parce qu'il t'a accordé une très bonne semaine. Nous disons merci pour ça. Et jodi a li permet que après que nous t'ai passé une bonne semaine, nous retrouver nous la caille pour nous faire service li. Nous rend action de grâce by mon Dieu pour ça. Nous venons pour nous enseigner la parole de Dieu. Ordinairement le dimanche dans l'heure ça, nous online sur Facebook. Sont avec nous en direct sur Facebook pour nous partager la connaissance de la parole de Dieu avec Mounsayo qui est disponible pour suivre, pour apprendre ensemble avec nous. Depuis et tantôt quelques semaines, donc capable de dire 2 mois même, nous sommes en train d'étudier une série de sujets très intéressants, très importants dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie du chrétien. Ah ben, série de sujets ça, les titrés « Les 7 fêtes de la rédemption ». Autrement dit, les 7 fêtes de Lévitique 23. Nous avons déjà étudié 6 sujets dans les 7 langues. Premier sujet, bon Dieu, te permet de nous étudier ensemble, c'est la fête de la Pâque. Sujet ça, et, qui était très, très, très important pour nous, la fête de la Pâque, que les Juifs étaient célébrés chaque 14 Nissan. Nous connaissons que Pâques là, les joue un accomplissement lorsque Jésus-Christ les mourit exactement le 14 Nissan. Donc, la Pâque, c'était une image, réalité, c'était la mort de Jésus-Christ à la croix pour le pardon des péchés de l'humanité, pour sauver le monde de la vaine manière de vivre. Dernier sujet à nous étudier ensemble, c'était la fête des pains sans levain. Faites ça, il était duré 7 jours, il commence le 15 Nissan, il finit le 21 Nissan. Nous apprenons que faites ça, c'est une image également. Réalité, c'était Jésus-Christ qui est le pain sans levain, qui est sans tâche, sans défaut, sans péché. Donc, c'est le pain qui était descendu du ciel pour que moi-même avec nous, nous capables bien la vivre, journée aujourd'hui. Faites ça, les jeunes accomplissements, les passés, nous n'avons pas de célébrer encore la fête des pains sans levain. Et si nous avons célébrer la fête des pains sans levain, ce n'est pas de manière littérale, c'est-à-dire pour nous manger pain sans levain pendant 7 jours, mais c'est vie nous pour nous transformer chaque jour devant bon Dieu, c'est mener une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de vérité, mener une vie pareille, eh bien, c'est fête pain sans levain, nous célébrer chaque jour dans la vie. Troisième fête, nous étudions ensemble, c'était la fête des prémices. Nous avons fait ça, l'été célébré chaque année, principalement le 16 Nissan. Et bien, fait ça également, l'été en image, les joues une réalité dans la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ ressuscité dans la mort, et bien, c'est fait pensant le, c'est fait dans le premier instant qui joue un accomplissement. La Bible dit, Christ est ressuscité de mort, il est la prémisse de ceux qui sont morts. Par conséquent, nous n'avons pas de célébrer encore la fête des prémices. Eh bien, si donc, yon moun da de célébrer la fête des prémices, yon moun, yon jouf par exemple, eh bien, fête ça le célébrer déjà depuis vendredi. Parce que c'est vendredi qui 16 Nissan dans le calendrier juif. Eh bien, jeudi a pas 16 Nissan. Le monde a fêté malheureusement jeudi à la fête de la Pâque pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous autres qui bâtissons dans la sagesse de Dieu, nous autres qui bâtissons dans la connaissance parole de Dieu, nous connaissons bien fête Pâques n'est pas célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Fête Pâques, c'est la mort de Jésus-Christ. Cependant, fête qui rappelait la résurrection de Jésus-Christ, c'est la fête des prémices. Mais la Bible pas demandé nous pour observer une fête ça. Quatrième fête, bon Dieu te permet de nous étudier ensemble, c'était la fête des semaines. Il y a également la fête de la moisson ou encore la fête de la Pentecôte. Faites ça également, l'été symbolisé et l'effusion du Saint-Esprit. C'est une image que l'été en réalité, c'est une figure. Réalité de cette fête, c'est donc l'effusion du Saint-Esprit que bon Dieu peut baptiser les 120 du Saint-Esprit
au jour de la Pentecôte. C'est pourquoi cette fête est appelée également la fête de la Pentecôte. Puisque fête ça lie un accomplissement 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, le type joue un accomplissement, l'antitype est devenu une réalité. Par conséquent, nous n'avons pas observer la fête de la moisson encore. Autrement dit, nous n'avons pas fêter la Pentecôte. Parce que fête ça, c'est ton image. Les jeunes réalité à passer. Personne ne va célébrer la fête de la Pentecôte. Fête ça, elle était célébrée le 6 Sivan. Sivan, c'est le troisième mois dans le calendrier juif. Nous avons étudié une cinquième fête. Cinquième fête là, c'était la fête des trompettes. Fête ça, elle était célébrée le premier Tishri ou premier Etanim. Tishri ou Etanim, c'est le septième mois dans le calendrier juif. Chaque premier Tishri, le peuple juif là, était pour célébrer la fête des trompettes. Fête trompette là également, c'était une image qu'il était. Mais nous jouons une réalité. Faites ça lorsque l'épouse de Jésus-Christ a bien pour passer monter dans le ciel. Donc la fête des trompettes pour rejoindre l'accomplissement. L'accomplissement de la fête des trompettes reste dans le futur. Qui l'a fait ça a bien accomplissement? C'est lorsque l'épouse de Jésus-Christ, composée de 144 000 personnes, a enlevé dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. C'est le, ça et le ça seul fait ça a bien accomplissement. Sixième fête nous avons étudié ensemble, c'est la fête des expiations. Fête ça lui-même était célébré le 10 Tishri. Tishri nous dit c'est le septième mois dans le calendrier juif. Il correspond à calendrier panouan, septembre et octobre. Alors fête ça également pour que jeune accomplissement. Eh bien, qui ça a été typifié lui-même? Il a typifié la repentance totale, la repentance nationale des Juifs. Il a typifié sous table la rédemption des Juifs, la restauration nationale des Juifs. Bon Dieu, il y a un temps fixé pour restaurer tout le peuple juif là. Ça va le faire dans la grande tribulation. Bon Dieu, pour le pardonner, bon Dieu, pour le vider sur un esprit de grâce et de supplication. Laisse ça, il est capable d'approcher bon Dieu, il est capable de supplier bon Dieu. Laisse à tout juif qui de la caillou, bon Dieu pour lever yo, laisse pour travail, pas de ministère, pas rien encore. Maintenant, c'est pour le ministère juif dans le monde qui prend le travail pour bon Dieu. Faites ça pour que je accomplissement, la fête des expirations. Dernière fête là, qui c'est la fête des tabernacles, c'est lui-même nous venons aujourd'hui là pour étudier ensemble. Donc, il y a quatre fêtes du printemps et trois fêtes de l'automne. Quatre fêtes du printemps, yo passé déjà. Yo j'ai l'accomplissement ou déjà c'est fini, c'est achevé, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte. Quatre fêtes ça yo type là jeune réalité, anti-type là accompli, yo fini net. Maintenant il reste trois fêtes, la fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tabernacles qu'on va étudier aujourd'hui là. Trois fêtes ça yo même anti-type là pour quoi réel, c'est-à-dire yo pour quoi jeune accomplissement. C'est la fête des trompettes, qui les fêtes trompettes là réel, c'est lorsque l'épouse de Jésus-Christ passait monter au ciel. C'est lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Avec des églises, je vais vous dire l'enlèvement de l'église, mais nos autres et, qui bâtissent dans le bon Dieu, qui est dans le bon Dieu, nous connaissons pas l'église qui a enlevé, c'est l'épouse de Jésus-Christ qui est composée de 144 000 personnes qui a bien pour passer monter au ciel pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et quelques jours plus tard, après l'enlèvement de l'épouse, c'est pour la réalité de la fête des expirations. L'épouse a passé monter au ciel le premier tishri, le 10 tishri maintenant, bon Dieu pral servir avec les juifs, bon Dieu pral baptiser au du Saint-Esprit, maintenant c'est ministère juif qui pral travailler qu'on y a là, pas bien ministère païen encore. Et dernière fête là, c'est la fête des tabernacles, c'est lui-même nous venons étudier journée jeudi à là. Eh ben nous dit, objectif nous gagne dans fête tabernacle là, c'est montrer que eh bien, la fête des tabernacles les typifie essentiellement l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Autrement dit, les typifie le retour visible de Jésus-Christ sur la terre. C'est ça, fête tabernacle là, les typifie, et c'est ça, nous pouvons le montrer là. C'est le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. Autrement dit, c'est le retour de Jésus-Christ sur la terre. C'est ça, fête tabernacle là, les typifie. Eh bien, verset de base, nous pouvons étudier chaque fête, ça, nous pouvons c'est Lévitique chapitre 23. C'est là nous allons aller. Nous allons lire quelques versets dans Lévitique 23 pour nous présenter la fête des tabernacles. Nous allons lire Lévitique 23, verset 34 à 36. Après, nous allons lire verset 39 à 43. Second Bible, la caillou capable ouvrir pour suivre ensemble avec nous. Nous allons lire Lévitique 23, verset 34 à 36. Par la suite, nous allons lire verset 39 à 43.
C'est verset ça yo dans le livre de Lévitique qui présentait nous la dernière fête dans la liste des sept qui est la fête des tabernacles. Qui ça nous lit dans verset 34 à 36 là? Parle aux enfants d'Israël. Ça c'est bon Dieu qui a parlé avec Moïse. Bon Dieu dit Moïse, parle aux enfants d'Israël et dit: le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ça c'est Lévitique 24, verset 34 et 36. Et bien, on continue à lire, maintenant nous allons lire dans verset 39, là, toujours Lévitique 23. On va lire verset 39 à 43. Qui ça, bon Dieu, dit à Moïse? Bon Dieu dit Moïse ceci: le 15e jour du 7e mois, le 15e jour de ce mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le septième mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les enfants d'Israël sous des tentes après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça c'est Lévitique 23, verset 39 à 43. Donc la fête des tabernacles, c'est une fête qui dure 7 jours. Elle commence le 15, elle finit le 21. Mais le 22, qui c'est le 8e jour, il y a une grande assemblée solennelle. C'est ça nous soutenons lorsque bon Dieu dit, dans verset 36 là, le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Ça va pas faire tabernacle à durer 7 jours. À durer 8 jours, c'est 7 jours de durée. Bon Dieu dit clair, parle aux enfants d'Israël et dit: le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Donc, fête a commencé le 15 Tishri, l'a fini le 21 Tishri. Alors, Tishri, c'est donc le 7e mois dans le calendrier juif. 7e mois, ça correspond au calendrier par nous autres haïtiens au mois de septembre et d'octobre. Ça veut dire cette grande fête de tabernacle, la fête soit à la fin du mois de septembre pour entrer dans le mois octobre. Là. C'est ça, Cap dit là. Le premier jour, il y a une sainte convocation, c'est-à-dire le premier jour, fête là, c'est un sabbat à la pied. Quand on voit une sainte convocation, on voit un sabbat. Bon Dieu dit, vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire aucun travail. Ne pas faire aucun travail, aucune œuvre servile. Donc, c'est un jour de repos consacré à l'Éternel. Donc, c'est un sabbat, mais ce sabbat n'est pas un sabbat hebdomadaire, c'est plutôt un sabbat cérémoniel. Pendant 7 jours, vous offrez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Donc, les fêtes là finies, 7 jours fin achevés, accomplis. Eh bien, 8e jour, bon Dieu, invitez le peuple à Kounia là pour yon l'autre service, pour yon l'autre bagaille. Tout à l'heure, nous pas un petit peu font commentaire pour qui ça, bon Dieu, mandé dernier jour, ça le 8e jour, pour faire une assemblée solennelle. Maintenant, c'est clair, nous dit c'est 7e mois fête à fête, c'est-à-dire le 7e mois, c'est le mois de Tishri. Tishri, dans le calendrier juif, Tishri, au début, c'est lui-même qui était premier mois dans l'année ordinaire. Dans l'année civile, Tishri était premier mois de l'année. Mais lorsque le peuple a quitté l'Égypte, bon Dieu a dit Moïse, ce mois-ci
sera pour vous le premier des mois de l'année. Nous jouons ça en Exode chapitre 12, verset 1er. Bon Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera le premier des mois de l'année. Ça, c'est Exode 12, verset 6. Lorsque bon Dieu te dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année, laisse le peuple là être au septième mois. Le septième mois s'appelait le mois de Nissan, ou le mois Abib. Peuple, c'est le mois Abib. Abib, c'était le septième mois dans le calendrier juif. Lorsque bon Dieu fait déclaration ça, bon Dieu dit, ce mois-ci, c'est-à-dire, moi, Nissan, qui était septième mois, bon Dieu dit, c'est le cas premier mois pour nous dans l'année. Donc, Israël vient dans l'autre calendrier. Donc, Nissan vient premier mois. Et Tishri, qui était premier mois dans le calendrier civil, il devient septième mois dans le calendrier religieux. Ça aussi, bagaille, nous expliquer déjà. Nous dit ça en termes de rappel. Peut-être que vous êtes connecté pour la première fois. Vous n'avez pas compris ça, dit là. Donc, Israël est un calendrier normal. Nous, il est un calendrier civil ou calendrier agraire ou calendrier agricole. Par la suite, bon Dieu, pral bayo, yon lot calendrier lorsque vous sortez l'Egypte. Nous voyons ça dans le livre de l'Exode, l'Exode 12, verset 1er. Et dans le reste, texte, on pral parle le nom de la Pâque. Là, nous vivons dans verset 14, par exemple, bon Dieu pral établi la Pâque. Donc, dans verset 12, là, bon Dieu dit Moïse, moi, ça, c'est le premier mois pour de l'année. Ah ben, ce mois n'est autre que le mois de Nissan. Nous disons, Nissan, dans leur calendrier juif, c'était donc le premier mois de l'année. C'était de préférence le septième mois de l'année. C'est Tishri qui était premier mois. Avec Kounia Tishri, lui-même vient passer pour septième mois. Donc, premier vient septième, septième vient premier. Nissan était septième, le vient premier mois de l'année. C'est bon Dieu qui décidait comme ça. Bon Dieu, pour commencer l'autre mouvement sur la terre, eh bien, bon Dieu décidait maintenant pour Nissan, ou bien le mois Abib devient le premier mois dans le calendrier juif. Alors, c'est la fête sainte qu'on fait au mois de Nissan. Pendant 7 jours, le peuple a réalisé la fête des pains, la fête des tabernacles. Nous disons fête solennelle. Fête ça, c'est une image littéraire. Il était typifié quelque chose. Il était symbolisé quelque chose de sacré. Il était représenté quelque chose. Avec qui ça fête tabernacle là, représenté? Avec fête tabernacle là, nous t'ai dit, depuis notre objectif quoi? Nous dit, elle typifie le retour de Jésus sur la terre pour le rétablissement du royaume. Encore pour le rétablissement de son royaume. C'est ça fête tabernacle là, représenté. C'est Jésus qui a retourné sur la terre. Et il n'a pas retourné une fois ça pour les sauver les hommes, mais il a retourné pour gouverner la terre. Ce sera et la réalité de la deuxième phase de la première résurrection. Nous songeons, nous étudions la première résurrection et ses deux phases. Donc, la première phase, première résurrection, c'est lorsque l'épouse de Jésus-Christ passait monter à la fête des trompettes. L'épouse de Jésus-Christ a passé monter aussi à la fête des trompettes. Maintenant, ce sera la réalité de la fête des trompettes. Ce sera la première phase de la première résurrection. Parce que première résurrection, il y a deux phases là-dedans. Il est divisé en deux. Ça n'a pas dit là, il y a le jargon, le cap chinois, le cap grec, pour un pile dénomination. Non dit première résurrection, il est divisé en deux. Donc, on a besoin de chita pour apprendre ça. Donc, première résurrection divisée en deux. Première partie, première résurrection, c'est l'épouse qui a monté dans le ciel pour 3 ans et 6 mois. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. C'est la réalité de la fête des trompettes. Maintenant, deuxième phase, première résurrection, qu'il est le fête lui-même, il est le fête à la fête des tabernacles. Donc, la fête des tabernacles, c'est la réalité de la première phase, de la deuxième phase de préférence de la première résurrection. C'est lorsque Jésus-Christ a déposé bien sur la terre, l'a venu pour le rétablissement de son royaume éternel sur la terre. Maintenant, on va regarder rapidement le rituel qui accompagnait la fête des tabernacles. Lorsque bon Dieu témoigne le peuple juif là pendant 7 jours pour célébrer la fête des tabernacles, on a regardé chaque jour qui s'était de fête, qui type de sacrifice de le offrir par bon Dieu dans l'occasion. Eh bien, rapidement, nous parler dans le livre des Nombres. Nous parler dans le livre des Nombres. Nous parler Nombre 29, verset 12 à 39. Nombre 29, verset 12 à 39, c'est les mêmes qui bat nos rituels qui accompagnaient la fête des tabernacles. Qui ça y a fait le premier jour, qui ça fait le deuxième jour, qui ça fait le troisième jour, quatrième jour, etc., etc. On allait rapidement pour nous montrer ça. Sous déjà jeûné ou qu'à lire pendant la plia, c'est Nombre 29, verset 12 à 39. Donc, ça peut aller de nous pour nous comprendre le rituel qui était une grande fête, ça, qui est la fête des tabernacles. Bon, je dis, le 15e jour du 7e mois, c'est-à-dire le 15
Etanim, si vous parlez d'Etanim, vous avez dit Tichri. Le 15 Tichri, vous aurez une sainte convocation, c'est-à-dire un bon sabbat. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu. Tout sacrifice consumé par le feu, il est un holocauste. Mais il y a un hôtel qui est dressé pour offrir sacrifice à l'hôtel des holocaustes. Nous n'avons pas le débat et ça déjà, mais nous avons fait promesse. Nous avons pris une étude ça, pour nous présenter aux différents sacrifices, etc., etc. Et description tabernacle, tout cela. Nous avons pour nous faire ça. Parce que c'est très important. Il y a plus de monde qui ne peut pas suivre l'étude ça, malheureusement. Qu'est-ce que Dieu dit? Encore, il dit, on va offrir un sacrifice par le feu. Ça, c'est le premier jour. Parce que il dit le 15e jour du 7e mois. Faites la promesse, c'est le 15. La fini le 21. La dure 7 jours. Eh bien, mon Dieu dit premier jour, mais ça n'a fait. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation, c'est-à-dire c'est un sabbat hebdomadaire, on n'a pas fait aucun travail servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Ça n'a pas offert encore 13 jeunes taureaux. Attendez bien, monde qui pas suivre qui pas gagne Bible ou bien qui juste attend de ça n'a dit. Dans premier jour, mais ça pour offrir par bon Dieu, 13 jeunes taureaux. 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie avec l'huile, 3 dixièmes pour chacun des 13 taureaux, 2 dixièmes pour chacun des 2 béliers et 1 dixième, ça c'est mesure, l'huile y a mettez pour cuire et pour faire sacrifice là. Les appareils de vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie avec l'huile, c'est-à-dire qu'ils font gâteau. Il va faire une offrande de gâteau, il va faire le pétri avec l'huile. C'est farine pétri avec l'huile. Bon Dieu, il mesure. Il a dit 3 dixièmes pour chacun de 13 taureaux. 2 dixièmes, c'est ces mesures, pour chacun des 2 béliers. Et 1 dixième pour chacun des 14 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Non seulement il y a bien pour offrir bon Dieu, l'holocauste consommé par le feu, l'holocauste perpétuel, il y a bien pour offrir offrande de gâteau, et il y a bien pour faire libation. Libation, vous voulez dire, il y a vide vin à terre, il y a vide vin pour célébrer, faites ça. Eh bien, outre tout bagage ça, il y a offrir ça, nous dit plus loin que c'est 13 taureaux, bah bon Dieu. Alors, c'est ça, il y a fait, c'est rituel premier jour à ça. Le second jour, toujours dans le livre de Nombres, le second jour, c'est-à-dire le 15, non, c'est-à-dire le 16 Tichri, vous offrirez 12 jeunes taureaux. Pas oublier, nous sommes là, le 15, il y a offert 13 jeunes taureaux. Quand il y a le 12, il y a offert 12. Le 15, il y a offert 13 jeunes taureaux. Le 16, il y a offert 12 jeunes taureaux. 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux. Les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et libation. Donc, premier jour, il offrit 13 taureaux. Deuxième jour, qui c'est le 16 Tichri, il offrit 12 jeunes taureaux. Troisième jour, qui sont par l'offrir, ben, bon Dieu. Troisième jour, lui-même, la 17 Tichri. Le troisième jour, vous offrirez 11 taureaux. On a remarqué, au fur et à mesure, bon Dieu a retiré un taureau. Premier jour, il offrit 13. Deuxième jour, il offrit 12. Troisième jour, il offrit 11 taureaux. 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Avec l'offrande et les libations pour les taureaux. Vous offrez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, etc., etc. Le quatrième jour, vous offrirez 10 taureaux. 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et libation pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon les nombres d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le cinquième jour, vous offrirez 9 taureaux. Mon cap suivre nous, gata ouais, 9 taureaux pour nous dire, parce qu'au fur et à mesure, bon Dieu est tiré. Dans le cinquième jour, vous offrez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le sixième jour,
Qui ça pour offrir à l'Éternel? Vous offrirez 8 taureaux. Vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon le nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 7e jour de la fête, c'est juste la fête là, fini, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon le nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Donc, 7e jour accompli, faites l'infini. Mais mon Dieu m'a dit pour faire l'autre travail le 8e jour. Eh bien, le 8e jour, tout le rituel parle. Qui ça a fait le 8e jour? Bon Dieu dit, le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle. C'est-à-dire, faites la fini. Dans demain, faites la fini. Le 21 Tichri, le 22 Tichri, pour avoir une grande assemblée solennelle. Alors, on tout dit que grande assemblée solennelle, ça va réaliser le 22 Tichri. Si vous parlez de 22 Tichri, vous avez dit 22 Itanim. Donc, c'est une grande assemblée pour clôturer cette fête de la rédemption. C'est pas la clôture des 7 fêtes de la rédemption. Donc, saison finie, récolte finie, la dernière récolte finie. Maintenant, vous pourrez célébrer grande époque ça, grande saison des récoltes ça. Vous pourrez célébrer cette 3 grandes fêtes par une grande assemblée solennelle le 22 Tichri. Vous capable de dire 22 Tichri a sans cérémonie pour clôturer cette fête qui saute fête yo. Donc on connaît cette fête yo, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la moisson, la fête des trompettes, la fête des expiations, enfin la fête des tabernacles. Donc pour clôturer toute cette fête ça yo, le 22 Tichri pour avoir une grande assemblée solennelle. Bon Dieu dit le 8e jour vous aurez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est-à-dire, c'est pas une grande assemblée solennelle. C'est pas un sabbat hebdomadaire. Et c'est pas un sabbat cérémoniel, de préférence. Vous offrez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est-à-dire, sacrifice ça, faut bon Dieu prendre plaisir, la donne, faut que la dégage bonne odeur. Non, non, mon Dieu. Qui ça offrit comme sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel? Un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut avec l'offrande et les libations pour le taureau, le bélier et les agneaux selon le nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes. Outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations et vos sacrifices de prospérité en accomplissant d'un vœu en offrande volontaire. Donc c'est Nombre 29, verset 12 à 39 qui présente nous chaque jour dans fête tabernacle qui sa peuple Israël a bien pour nous offrir par bon Dieu. Là nous fait total qui quantité taureau qu'a offri pendant tout jour ça yo. Nous chiffrons 70 taureaux qui offrent et nous comptons 119 agneaux qui offrent dans 7 jours, 7 jours de la fête des tabernacles. Alors, nous disons, fête ça, c'est une grande fête liée qui accompagne de l'action de grâce, que le peuple est content, il vient béni bon Dieu, c'est une gros fête, c'est une même gap dit, une plus gros fête. Donc, caractéristique essentielle fait ça, c'est que le peuple a eu le même genre d'appeler ça dans Lévitique 23. Peuple a pendant 7 jours, il a dormi sous des tentes. Peuple a, mon Dieu, demandé c'est sous des tentes pour dormir. Et les descendants, nous, ils ont connu que nous avons fait nous habiter sous des tentes lorsque nous avons retiré nous en esclavage en Égypte. Mon Dieu, conduit dans le désert. Eh bien, nous connaissons dans le désert, c'est côté qui a pile scorpion, pile bête sauvage. Eh bien, en pile soleil, pas rien bien bois. Donc, son véritable désert. Eh bien, c'est là, bon Dieu, mandé pour peuple arrêter. Le peuple a fait environ 40 ans dans le désert. A tourner, monter, descendre.
Peuple a fait virer dans le désert et c'est des sous tente peuple a qu'on dormi pendant occasion. Et bien lorsqu'il a célébré fête des tabernacles, bon Dieu m'a dit tout c'est sous des tentes, il a dormi pendant 7 jours. Même le peuple juif là, le fin d'entrer dans la terre promise, tout le monde, bon Dieu, va être tout le monde est caillou. Mais lorsqu'il a célébré la fête des tabernacles, c'est sous des tentes pour yo faire. Ça va le rappeler, yo, là, où t'es en esclavage, en Égypte. Bon Dieu, t'es retiré, yo. Conduit dans le désert, là, où t'es dans le désert, c'est sous des tentes que t'es condamné. C'est pas extraordinaire. C'est sous des tentes que t'es condamné. Maintenant, bon Dieu m'a dit, là, n'a fait fête tabernacle là tout pendant 7 jours, eh ben, n'a dormi sous des tentes pendant 7 jours à tout. Tout, on a quitté la caillou, chaque, on a monté tente, yo. Y a monté une tente pour chaque famille. Nombre de familles, c'est nombre de tentes qu'a gagné. Chaque famille a gagné tente par pendant 7 jours, il a dormi sous des tentes et les fêtes la fini, il y a tout une crasse des tentes, il est rentré dans caillou. Pour que ça bon Dieu m'a dit ça, bon Dieu dit moi fais ça comme ça pour que descendant nous yo, c'est là des petites nous yo. Les yo ouais fait ça a fait c'est sous des tentes. Nous faire ça pour les rappeler nous lorsque nous t'es dans le désert, lorsque m'te fin retirer nous dans l'esclavage du pays d'Égypte, m'conduit conduit nous dans le désert, l'enta vivre dans le désert, c'est sous des tentes nous t'es dormi. C'est juste pour rappeler ça, pour pas oublier ça. Là où t'es dans le désert, mais ça bon Dieu t'es fait. Pas gain de l'eau dans le désert. Deuxième pas gain de l'eau, son terre aride, eh ben bon Dieu pété rocher, gros rocher pété, de l'eau couler, bon Dieu par au de l'eau, bon Dieu par au man doit manger, pas de jambe grand goût, yo te nourri à faim, yo, ça pas de gain bah, yo mette un pied pendant 40 ans, dans le désert, pas de gain bosse, pas de faire soulier, pas de gain bosse, pas de faire sandal. Donc c'est même petit vieux bah, yo te saute en Égypte blanc, c'est avec le continuer, ça, des enfants d'Israël qui te fait dans le désert, eh ben, moun sa reçoit ou te pied à terre, ou pas de gain bah, yo mette un pied, mais yo pas de aucun problème. Eh ben, bon Dieu dit, lorsque nous allons faire fête tabernacle là, nous allons souger tout bagay sa yo, si en bas. Tente pour nous faire fête là, tout on a quitté la caillou, construit tente devant caillou, un ben pour que nous réalisions fête ça. Ah ben fête tabernacle, il y a plusieurs noms. Si vous parlez du tabernacle, on a dit la fête des huttes, huttes ça écrit H-U-T-T-E-S, on a dit la fête des huttes, on a dit la fête des tentes, on a dit la fête de la récolte, parce que son grande récolte, c'est la récolte générale qui va faire l'occasion ça. Pas oublier d'étudier la fête de la moisson, c'est pas récolte générale. C'était en partie de la récolte, mais la fête des tabernacles, c'est la grande récolte. C'est peut-être ça tout, fête tabernacle, c'est pas la résurrection générale. C'est tous les enfants de Dieu t'es mouru. Il va le ressusciter à la fête des tabernacles lorsque Jésus-Christ va le déposer pied sur la terre. C'est pourquoi on nous dit que cette fête, c'est donc la réalité. Et cette fête, réalité, c'est le retour de Jésus-Christ pour établir son royaume. Or, nous connaissons lorsque Jésus-Christ s'attourne pour établir le royaume, tout mort en Christ qui n'est pas levé, mais ce moment, il tout pour le lever parce que c'est la grande moisson, c'est la grande récolte. C'est pourquoi nous sommes capables de relier également fête tabernacle là, fête hutte, parce que c'est fête hutte, ou bien la fête des huttes, la fête des tentes, parce que c'est en bas tente, nous t'es dormi pendant 7 jours, ou quand il est également la fête de la récolte, parce que c'est la grande récolte, c'est la grande moisson, souvelé, c'est la récolte en général, ou il est également sous côte là c'est dans le langage hébraïque, dans le langage hébraïque, on dit sous côte, la fête des tabernacles, la fête des tentes, la fête des huttes, la fête de la récolte, ou quand il est également sous côte. L'espérer, tout le monde qui a suivi nous là à travers Facebook, il a pris une note. Je suis capable de fête tabernacle. Je suis capable de fête tabernacle. Je suis capable de la fête des huttes. Je suis capable de la fête des tentes. Je suis capable de la fête de la récolte. Je suis capable de également la fête des cabanes. Mon autre thème d'oublier. Je suis capable de également la fête des cabanes. C'est A-B-A-N-E-S. La fête des cabanes. Je suis capable de également la fête. Je suis capable de sous-côte. Tout coup. Ok. C'est divers noms. Je suis capable de fête. Ça que le peuple Israël a été fêté ou bien fêté chaque année du 15 au 21 Tishri. Maintenant, une petite précision. Il a dit le Soukot était un temps qui portait les Juifs à penser qu'un jour les païens viendraient adorer Dieu avec eux en souvenir de la promesse de Dieu faite à Abraham. Donc, Soukot là, il n'est pas rappelé au seulement. Il n'est pas rappelé au seulement. Bon Dieu te prend en Israël, en esclavage dans l'Égypte, mettez-vous dans le désert, faire que c'est en battant, tu t'as dormi dans le désert, il n'est pas appelé ça seulement. Soukot là, il n'est pas appelé ça dans l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Soukot là, tout, il rappelait que, un jour, bon Dieu a fait païen grâce, un jour, juif et païen
pour aller servir bon Dieu ensemble. D'ailleurs, nous te vois, bon Dieu te fait promesse avec Abraham. Lorsque bon Dieu te dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, promesse pour pas entrer dans le royaume de Dieu, cette promesse a été faite longtemps à Abraham. C'est pas lorsque Jésus vient, c'est pas parce que Jésus vient, on dit, ah, étant donné que les Juifs ont abandonné mon Dieu, eh bien, m'a sauvé pas. Promesse a été faite déjà, eh bien, Jésus vient, pharisiens ont tué Jésus. Eh bien, c'est à partir d'occasion ça, bon Dieu préfère appel avec païen. Mais promesse pour que païen et juif ensemble fait service, bon Dieu, promesse ça a été déjà faite à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alors, dans Zacharie 14, le verset 16, nous lisons parole ça. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, à savoir Jésus, et pour célébrer la fête des tabernacles. Donc, fête tabernacle, même dans le royaume de Dieu, lorsque Jésus va sur la terre, n'a pas célébré la fête des tabernacles. Les ça, c'est pas les juifs seulement qui ont célébré, c'est toute nation qui a célébré cette fête. C'est pas les juifs seulement. L'éclair là, Zacharie 14, verset 16, m'a pour prendre verset A, Zacharie 14, verset 16, mais ça, bon Dieu dit la donne, par la bouche du prophète Zacharie, tous ceux qui resteront de toutes les nations, c'est-à-dire les bons dieux finissent exterminés, les jugements du grand trône blanc finissent faits, la paix totale sur la terre, maintenant c'est le royaume de Dieu, eh bien, bon Dieu dit tout le monde qui a vérité qu'on y a sur la terre, ça peut être en Haïti, ça peut être au Canada, ça peut être au Brésil, Chili, et Mexique, en Chine, partout dans le monde, tout le monde qui a vérité que ça va passer, tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi. Pourquoi ils ont dit monteront? Parce que Jérusalem, son ville qui est située sur la montagne. Son ville qui est située sur la montagne, c'est qu'on dit monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Donc, son grande fête, donc fête ça encore la célébrer dans le royaume de Dieu. L'auteur nous dit le septième jour de cette fête, septième jour fête tabernacle là, s'appelle également, s'appelle Hosanna Rabba. Septième jour, fête tabernacle là. C'est les derniers jours fête là. L'élé Hosanna Rabba. Qui veut dire le grand Hosanna ou le jour de grande louange à Dieu. Donc, dernier jour fête là, c'est pas le gros fête, c'est pas le grand louange. Peuple a éclaté par mon Dieu, c'est Hosanna Rabba. Eh bien, nous te jouons ça avec Jésus lorsque Jésus. En on lit Matthieu 21, verset 8 à 9, pour ça qui est passé, dans le grand jour, faites ça, lorsque faites ça, c'est qu'on fait lorsque Jésus était sur la terre. La plupart des gens de la foule entendirent, étendirent leurs vêtements sur le chemin. Lorsque Jésus qui s'est venu pour aller à Jérusalem, pour aller dans la fête tabernacle là, en bien, ça qui est passé. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criait, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Donc, c'est Christ a été gagné lorsque Jésus-Christ a entré dans le dernier jour fête là. Tabernacle là. Donc, on dit ce sera un acte national le jour de la célébration de la fête des tabernacles. Donc, jour ça, lorsque ce sera un acte national, c'est pas tout le monde qui pral béni bon Dieu, louer bon Dieu dans le grand jour ça. Eh bien, prophétie a été déjà faite à Isaïe, Isaïe 12, verset 3. Nous lisons, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Jésus est sur la terre, en chair et en os, avec source salut, c'est Jésus qui l'est. Eh bien, nous allons puiser dans Christ là, dans le jour ça. Donc, c'est pas des temps bénis, des temps merveilleux sur la terre, lorsque Jésus-Christ va sur la terre en chair et en os. Donc, nous disons que toutes les nations sur la terre, il y a béni, dans grande fête ça, dans grand jour ça, dans grand jour fête tabernacle là, là on a parlé dans la réalité là, lorsque Christ sera sur la terre en chair et en os. Donc nous dit fête tabernacle là son type lié à réalité. Nous dit cette fête est un type du retour de Jésus sur la terre pour l'établissement du royaume de Dieu. C'est le jour où il reviendra pour établir sur la terre son royaume pour entrer dans son tabernacle.
Donc, jour ça, fait tabernacle là, il n'y a pas une autre réalité. Puis, grande réalité de capable de faire ça, c'est que Jésus-Christ a retourné sur la terre pour le capable de prendre les rênes de pouvoir du monde, pour le capable de détruire tout pouvoir qui existait, journée et jeudi à là. Donc, journée et jeudi à nous, nous, tant côté le monde bouleversé, il y a un problème, il y a un monde qui a tué tête, il y a un monde qui a sorti. La guette est dans étage parce que yo dit yo pas vrai pendant COVID-19, bah ça bouleverse yo. Grands hommes tu es tête yo, un monde qui est occupé de grandes fonctions, ministre par exemple, nous apprenons en Allemagne, bon ministre, soit ministre de l'économie, monsieur tu es tête li parce qu'elle dit tête pas qu'à supporter bagaille ça. Gen ne cap mandé l'en mort malheureusement l'en mort pas qu'à venir. Ça c'est pas rien, c'est commencement de la douleur, mais les enfants de Dieu ne pas qu'on inquiéter de bagaille ça yo parce que nous connaît un jour Jésus-Christ lui-même il va sur la terre. Lorsque Christ sera sur la terre en chair et en os, toute bagaille sera finie. Ce sera la paix éternelle sur toute la terre. Oh, lorsque Jésus-Christ dépose pied sur la terre, lorsque nous va entrer dans la grande fête des tabernacles, lorsque le royaume nous va établir sur la terre, ce sera la paix, ce sera la joie, ce sera la tranquillité. Donc ça, la vie aujourd'hui, là, on va même faire nos problèmes, pas faire que nous sauter, que nous casser. D'ailleurs, Jésus-Christ, quelque part, il dit, soyez, et que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, royaume n'a pas venu, nous ne pouvons pas nous troubler. Gardez-vous d'être troublé. Quelque part, il dit avec disciple dans Matthieu 24. Donc, nous ne pouvons pas nous troubler parce que royaume n'a pas venu établi sur la terre. La paix pourrait régner sur la terre. Pas bien maladie, pas bien COVID-19, qui a ravagé le monde, pas bien sida, pas bien la peste noire. Pas bien la peste espagnole qui ravageait des hommes après la Deuxième Guerre mondiale. Plus de entre 100 à 200 millions de monde mourir. Ben, ça va finir. Parce que Jésus-Christ a su la terre, le rétablissement du royaume de Dieu est certain et véritable. Il y aura la paix éternelle sur toute la terre avec Jésus-Christ comme roi des rois. Donc, mes chers amis, la fête des tabernacles, c'est ton image de Dieu. Ça, je suis à fêter chaque année. Hein. C'est ton image, mais nous avons une réalité dans Jésus. Nous disons que c'était un type du jour de retour de Jésus-Christ sur la terre pour l'établissement de son royaume. C'est le jour où il reviendra pour établir sur la terre, pour entrer dans son tabernacle. Apocalypse 21, verset 3, qui ça nous lit? Dans Apocalypse 21, verset 3, nous lisons une belle promesse, nous lisons une belle bague qui va le passer. Et j'entendis, c'est l'apôtre Jean qui parle, et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Nous avons un bel espoir, mes amis, mes bien-aimés qui suivent à travers Internet. Nous avons un bel espoir parce que un jour, Jésus-Christ a venu sur la terre. Tout le monde qui était monté avec Jésus, tout le monde Jésus-Christ est venu chercher les 144 000 à la fête des trompettes. Et bien, tout le monde retourner sur la terre avec Jésus à la fête des tabernacles. C'est ça, nous dit dans Apocalypse 22. Dans Apocalypse 21, verset 3. Grande religion qui existait sur la terre, il dit, tout le monde qui montait, les 54 000 qui montaient, ils montaient net, ils ne peuvent pas tourner sur la terre encore. Religion, ça dit, les gens ont une espérance céleste. Ils dit qu'il y a deux types d'espérance. Ils ont une espérance céleste et une espérance terrestre. Espérance céleste, là, il dit, tout le monde qui a monté à la voix de la cage au son de la trompette de Dieu, c'est-à-dire les 54 000, on ne peut pas citer qui religion. Religion, ça dit, tout le monde qui a monté, ils ont monté net. Il n'y a pas besoin de tourner sur la terre encore parce que c'est l'espérance céleste qui gagne. Et ça fait la religion, ça l'est là, la Sainte-Seine. Les dit, moun sa yo, c'est moun sa yo, li bay Sainte-Seine. On dirait qu'on qui est-ce qui a monté à eux-mêmes. Ils ont identifié qu'est-ce qui a monté, qu'est-ce qui n'a pas monté. Donc, quelle histoire dans le monde religieux. Il y a moun sa yo Sainte-Seine. L'autre moun qui a l'espérance terrestre, moun sa yo pas manger le corps du Seigneur. Moun sa yo même fait Sainte-Seine une fois par année. Le plus souvent, vous faites dans la période vendredi Saint. Parce que le 14 décembre, Jésus-Christ a fait dernier repas avec les enfants de Dieu. Et même c'est dans la date, ça va faire le jour. Bref, si nous informés, nous avons parlé de qui religion qui m'a parlé. Mais si nous avons tout le détail, si nous lisons sa religion écrit, nous avons parlé de qui est. Donc, nous-mêmes, là, nous lisons dans Apocalypse 21, verset 3, nous voyons que le monde qui est monté, descend. Parce que lui dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Qui les hommes ça? Les hommes qui étaient montés à la fête des trompettes. Des hommes qui étaient montés au son de la septième trompette de Dieu. Des hommes qui étaient montés quand? Lorsque l'épouse était passée montée au ciel. Eh bien, ces hommes-là reviendront sur la terre avec Jésus à la fête des tabernacles. Parce que bon nouvelle, tabernacle, j'en dis quelque part, je vis
descendre d'auprès de Dieu la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Laisse ça. Et tout le monde qui était monté, tout a descendu. Dans Apocalypse 21, verset 3, il est clair. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et Jésus a habité avec eux. Et ils seront son peuple. Et tout le monde sera le peuple, bon Dieu. Et bon Dieu lui-même l'a toujours ensemble avec eux. Jésus vient avec les saints de Dieu à la fête des tabernacles. Donc la question mon avis de l'homme monté ou monté net. La question mon avis de le monde, c'est pas la caille dans le ciel, les trésors à cœur, mon tout fils. Mon sérieux, vous faites naufrage par rapport à la foi. Mon sérieux dans l'air ou dans l'obscurité. Par aucun le monde, c'est pas la canne dans le ciel à m'bralé. Par aucune question, si la tête a brandi, fait que nous bral habiter, m'bral habiter avec Jésus. Bah, ça, c'est Fabio, c'est Bouki, c'est histoire Bouki avec Timali. C'est compte pour faire Timon dormir. Si mon n'a pas voulu dormir, ou chanter pour lui, si la tête a brandi, fait m'bral habiter dans le ciel avec Jésus. Bah, y a pièce monde qui bral habiter dans le ciel avec Jésus. D'ailleurs, Jésus ne sera pas au ciel pour toute l'éternité. Le ciel garde Jésus pour un temps. Juste autant de réformation, ce que dit la Bible. Jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et celle-là doit déposer Jésus sur la terre, parce que le jour viendra à la fête des tabernacles. Jésus va retourner sur la terre en chair et en os. Ouvrez l'avenir. Coupavlez l'avenir. Donc, ce n'est pas position qui compte. Ce n'est pas position théologique qui compte. Et Jésus-Christ pas venu pour une deuxième fois, ça c'est avec Gado. L'avenir là pour tout le monde, nous parlons dans le ciel pour toute l'éternité, parce que très homme à kem, tout fils kem, nous t'en des anges, l'élément là, nous chantons tellement mon yon, nous disons, vive avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel, nous faisons nous chanter en pile tintin, malheureusement, pour diable, nous pas formé ou pas instruit, nous faisons nous chanter le bonheur éternel dans le ciel, c'est faux. Le bonheur éternel ne sera pas dans le ciel, le bonheur éternel sera sur la terre, parce que Jésus-Christ reviendra sur la terre à la fête des tabernacles. Alors, qui ça nous lit? Ensuite, Zacharie 14, verset 5, expliquez-nous ça. Il montre effectivement, tout le monde qui monte, a descendre. Nous sommes pour Apocalypse 21, verset 3, qui montre ça. Nous avons également Zacharie 14, qui montre ça. Zacharie 14, verset 5. Qui ça nous lit là-dedans? C'est la dernière partie du texte qui puisse intéresser. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes. La vallée des montagnes s'étendait jusqu'à Israël. Car la vallée des montagnes, elle a une position géographique, la longueur, la largeur, s'étendait jusqu'à Israël. Vous fuyez comme vous avez fui devant le tremblement de terre. Eh bien, nous avons couru, même si nous avons couru devant le grand tremblement de terre. Qui était passé dans le temps Ozias. Ozias qui était roi Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, l'a vini. Et tous ses saints avec lui. L'Éternel, mon Dieu, ici, c'est Jésus qui a parlé là. Jésus a venu avec autorité de Dieu, donc il est Dieu. L'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Qui sont ces saints, mes bien-aimés? Ces saints, ce sont ceux qui montaient au ciel à la fête des trompettes. Eh bien, ils reviendront sur la terre avec Jésus à la fête des tabernacles. Il y a deux grandes fêtes, c'est une globale extraordinaire. Première grande fête, c'est la fête des trompettes, qui verra l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, 54 000 personnes, il n'y a pas plus, pas plus monde qui parle dans le ciel, c'est 54 000, pour 42 mois. Maintenant, après 3 ans et 6 mois, il a retourné sur la terre avec Jésus, qu'il est venu, il est venu à la grande fête des tabernacles, fête ça qui est célébrée du 15 au 21 Tishri, c'est-à-dire lorsque Jésus est venu pour la deuxième fois, il est venu dans les airs, c'est pour au mois de Tishri, premier Tishri. L'a venu également pour établir le royaume, c'est pour au mois de Tishri, du 15 au 21 Tishri. Bon. Maintenant, c'est pas le dernier jour, le 8e jour. Maintenant, je connais pas une grande assemblée solennelle pour clôturer toute bagaille. En tout cas, c'est dans l'espace-temps, ça, Jésus-Christ a déposé pied sur la terre. Donc, c'est clair là, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Donc, Jésus-Christ viendra avec ses saints. Il viendra pour ses saints et avec ses saints. Il viendra pour ses saints, il a venu pour mon caprété et il a venu avec mon littéralé. Donc il viendra pour ses saints et avec ses saints. Alléluia. Alors, et ça n'a pas dit encore. Il y a plus d'autres prophéties qui parlent de Jésus quand il a venu, etc., etc., etc. Donc, n'a pas quitté tout ça ou là pour nous simplifier tant. Nous parler de Jésus-Christ qui est venu pour gouverner la terre. Jésus-Christ est venu, c'est la terre qui est venu gouverner. Ah ben, c'est ça qui est venu faire.
et tout le monde qui sauvé, les enfants de Dieu, autour de Jésus, tout sur la terre. Nous avons ça dans Isaïe 59, verset 20. Isaïe 59, verset 20 qui ça dit, un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés. Donc Jésus-Christ a venu pour mon ça. Il a venu également pour gouverner les nations de la terre. Il n'est pas venu seulement pour gouverner les Juifs, pour les Juifs, mais Jésus-Christ a venu pour gouverner tout le monde. Nous avons ça dans Daniel 7, verset 13 et 14. Daniel 13, verset 7 et 14, il parle nous de ça. Qui ça Daniel dit? Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est l'Éternel, les amis. Et on le fit approcher de lui. Il fait Jésus-Christ approcher devant nous. On lui donna, yo ba Jésus, on c'est bon Dieu qui balle. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc pour moi qui dit Jésus pas venu sur la terre, Jésus pas venu sous tes péchés ça, il est venu net affaire de Jésus qui a venu ces blagues. Daniel 7 verset 13 et 14, fermez bouche tout monde ça. Pour moi qui dit tout ici tellement faire ça qui mal et yo pas quoi gagner cap sauvé. Ah ben pourtant monde ça dans l'erreur. Jésus a venu c'est toute nation, tout peuple. Nous sommes la nation haïtienne. Hein? Nous faisons partie de la nation haïtienne. Du peuple haïtien. Fait ça clair, il dit, et tous les peuples, le peuple haïtien, les nations, la nation haïtienne, et les hommes de toute langue, la langue créole, le servir. Donc tout le monde a servi Christ lorsqu'il va sur la terre. Mais l'un dit tout le monde, c'est le monde qui rete. Nous te voyons ça tout à l'heure. L'un dit tout le monde, qui a rete. Mais ça qui passe, c'est monter à Jérusalem à la fête des tabernacles pour célébrer une grande fête. Ça. Mais tout le monde, dit, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Je dis à toute domination, c'est pour un temps. Je dis à la nous aux États-Unis, là, nous avons monsieur, comme Elwin Trump, bientôt, le pardon de son autre monde. Que Trump tape pour un deuxième mandat, pas foutu pour un troisième, à grand l'autre monde. Canada, là, nous avons juste Trudeau. T'as alors pas attendu pas juste trop de là pour l'autre monde. En Haïti, nous avons Jovenel Moïse. T'as alors pas attendu pas Jovenel Moïse encore pour l'autre monde. En Russie, il y a Vladimir Poutine. T'as alors pas attendu pas Vladimir Poutine encore pour l'autre monde. Donc, il y a une domination qui est éphémère. Tandis que domination pas Christ lui-même, la Bible dit son domination qui est éternelle. Royaume qui est capable, jamais détruit. Alléluia. Au retour de Jésus sur la terre, la seconde phase de la première résurrection prendra sa place. Donc, on parle de tout ça déjà. On ne va pas même rester sous lui. Lorsque Jésus va déposer pied sous la montagne des Oliviers, dans un premier temps, nous sommes capables de dire que Jésus va venir pour même la faire par, et par sous la montagne des Oliviers avant, non? Jésus va déposer pied. Hein? La déposer pied sous la montagne des Oliviers, oui. Oui, mais il y a quatre côtés pour le déposer pied là avant. Il y a quatre côtés pour le déposer pied avant. En avance, mes amis. Dans Zacharie 14, verset 4, les disciples se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, lorsque Jésus va sur la terre, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une autre vers le midi. Nous connaissons, prophétie ça déjà. Alors, quand Jésus aura déposé ses pieds sur la montagne des Oliviers, les morts, les enfants de Dieu revivront, ils seront ressuscités. Ce sera la deuxième phase de la première résurrection. Depuis Jésus-Christ déposé pied sur la montagne des Oliviers, tout le monde qui pat dormi, tout le monde qui pat levé, c'est dans le moment ça, il y a levé. OK. Eh ben on allait en on lit une prophétie. Moi verset ça grand pile monde là sur Facebook dans période de coronavirus là. Bon, malheureusement, je pas comprendre verset là. Mais en pile monde l'église là qui verset ça, il dit c'est pas pour la première fois monter qu'on dans confinement. Eh ben peuple Israël là t'es dans confinement déjà. Il passe pas comprendre verset ça. Heureusement nous avons plusieurs monde qui cap garder nous là travers Facebook, cap suivre nous, ah ben nous pas parler de verset ça. En pile monde là gueule sur Facebook, il dit c'est pas première fois t'es en confinement, les hommes dès qu'on a le confiné déjà parce qu'il a parlé de l'église qui pas qu'à réunir. Il y a de ah ben
monde chrétien et protestant a montré que c'est pas pour la première fois les enfants de Dieu étaient à l'en confinement et étaient allés dans le confinement déjà. Qui verset vous prend? Vous prend Isaïe 26 verset 20 et 21. Donc en pile monde, en pile monde partager lui. Bon, peut-être pas comprendre son prophétie, prophétie pour accomplir mes amis. Prophétie ça l'a pas accompli lorsque Jésus-Christ va retourner sur la terre à la fête des tabernacles. Qui sa prophétie a dit? Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. C'est, va dans ta chambre, c'est dans le séjour des morts. C'est à dormir dans le cimetière. À dormir dans le cimetière, à aller reposer pour quelques temps. Lorsque bon Dieu finit d'être sur la terre, bon Dieu finit de faire baler vous sur la terre, eh bien, laisse ça. Jésus-Christ déposé sur la montagne des Oliviers, laisse ça nous tout à lever. C'est ça qu'il dit là. Cette prophétie concerne la fin des temps. Ce n'est pas pour qu'on y a là. Pour mon blague sur Facebook, c'est pas qu'on y a là les enfants de Dieu qu'on a le confinement, ils étaient habitués à le confinement déjà et puis il y a les Zacharie, il y aura les Isaïe, ils ont déposé bah mes amis, sont prophéties liées. Prophétie ça les concerne la fin des temps. D'ailleurs c'était fini lire ce texte là avant la guerre, peut-être lumière ta vie. Va mon peuple, le peuple de Dieu, ça est moment grande tribulation, en pile monde va le persécuter, en pile monde va mourir sur la terre, eh ben monde ça va le reposer pour un petit temps. Il y a le reposé de la tombe. Pour un petit temps, lorsque bon Dieu finit détruit, lorsque colère bon Dieu finit passer sur la terre, tout gros événement doit produire, dans la grande tribulation produit, et bien laisse ça, si elle la pape kakebe Jésus, et Jésus va descendre sur la terre, à la fête des tabernacles, et laisse ça, tout le monde sait, il y a ressuscité dans la mort. Tout le monde qui t'a dormi, tout le monde bon Dieu dit, va mon peuple, entre dans ta chambre, c'est pas là qu'il faut faire mes portes, c'est pas ça que ça veut dire. Son langage prophétique qu'il a, son langage spirituel qu'il a. On a besoin de l'Esprit bon Dieu pour comprendre. On a besoin des hommes de Dieu qui pour bâtir ou dans la sagesse bon Dieu pour comprendre ça qu'il dit là. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Et la colère, ce n'est pas COVID-19, mes amis. Ce n'est pas COVID-19 qui est colère. Car voici, si nous avons COVID-19, il est colère. Après, ça tout le monde va prendre la rue. Et après, c'est tout bien fini, mes amis. Parce que après colère fin passé, c'est pour l'éternité, c'est pour la vie éternelle sur la terre. Donc si on a dit non prophétie ça, le dit qu'on fait déjà, et mais si nous même chrétiens on pas ca réunir encore, pas de problème, t'as le COVID-19 va pas passer, tout le monde va prendre la rue encore etc., etc. Le COVID-19 fin passé, tout le monde prend la rue encore. C'est pas quoi rien non. Ça n'a vivre là mes chers amis bien-aimés, c'est le commencement de la douleur. Ça c'est le commencement de la douleur, pas quoi rien là. Pour événement pour le produit sur la terre. Avant Jésus déposer pied sur la montagne des Oliviers, avant l'accomplissement de la fête des tabernacles, c'est pas quelque extraordinaire pour le produit sur la terre. Si COVID-19 là, c'est blague liée. Donc c'est blague liée. Donc c'est pas ça y a dit là. Verset a dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus les meurtres. Donc, dans Apocalypse 20, verset 5, nous faisons un chemin, il dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis, c'est la première résurrection. Dans Apocalypse 20, verset 4, il dit non, et je vis les des trônes, et à ceux qui s'y assis furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été capités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. C'est clair? Donc, il y a la vie, c'est lorsque Jésus-Christ est retourné sur la terre. Parce que Mounsayo a continué à dormir dans la tombe lorsque l'épouse de Jésus-Christ monte au ciel. Ça a déjà mouru à tonne. Lorsque Christ tournait dans à la fin de la grande tribulation, à la fin des tabernacles, tout mort en Christ qui part monter dans le ciel, il est tout à lever pour y aller vivre avec Christ pendant 1000 ans. Par conséquent, tout mort qui pas levé pour vivre avec Christ pendant 1000 ans, ou chiré. Ou dans le courant, ou dans le midi. Ou de conservant, bon là, comme serviteur, on passe, n'importe qui. Ouais, grande tribulation passée, Jésus-Christ vini. En pile, monde levé ou pas un tel, on met qu'on est un tel là pour la résurrection finale. C'est clair par la dame. C'est pas pour. Dieu vient habiter au milieu des enfants pour toute l'éternité. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, bon Dieu, nous avons pour tout temps. Laisse Jérusalem est libre par la capitale du monde entier. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'éternel.
Donc Jérusalem, c'est pas le trône de l'Éternel, c'est là Jésus parle régner. Donc Jérusalem, c'est pas la capitale du monde entier. C'est clair que dans le monde entier, côté siège gouvernement, il y a côté siège président, il y a c'est la et la capitale alliée. Si nous prenons palais national en Haïti, nous après c'est Port-au-Prince. Après c'est Port-au-Prince. Si nous prenons Maison Blanche aux États-Unis, c'est Washington. Washington DC, la capitale. Si nous prenons palais Élysée en France, c'est dans la capitale. Et Paris, etc., etc. Et mais c'est de même, place Jésus pour établir le trône, c'est à Jérusalem. Donc c'est Jérusalem qui est la capitale du monde entier parce que le trône du roi sera à Jérusalem, en Israël. Donc on appellera en ce temps Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Au pape cap, c'est là, nous avons Jérémie 3, le verset 17. Là, mes amis, nous avons Jérémie 3, le verset 17. Pas de monde qui a suivi pour chaque cœur encore, parce que Christ a plat en chair et en os, le roi des rois, il sera là. Donc, ce sera la paix et la joie sur toute la terre, et pour les enfants de Dieu, mais pour les méchants, eh ben, ça qui va passer, il y a détruit par la colère de Dieu. Dans Habakkuk 3, verset 12, il dit clairement là, tu parcours la terre de ta fureur, il y a parlé de Jésus. Tu parcours la terre de ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Donc, les nations, Jésus-Christ va détruire à la fin des temps, tandis que pour les enfants de Dieu, c'est pas la paix, c'est pas la tranquillité, c'est pas le bonheur. Bref, ce sera la vie éternelle. Donc, on chacun qui dit, ce sera la joie, ce sera la gloire, ce sera la gloire, ce sera la gloire pour les oints de Dieu. Quand Jésus mettra ses pieds sur le mont des Oliviers, ce sera la gloire pour les oints de Dieu. Ce sera la gloire, ce sera la gloire, ce sera la gloire pour les oints de Dieu. Quand Jésus mettra ses pieds sur le mont des Oliviers, ce sera la gloire pour les oints de Dieu. Oui, les saints de Dieu, les enfants de Dieu, lorsque Jésus va sur la terre, c'est pas la gloire pour eux. C'est pas la gloire pour eux, tandis que les méchants, ça qui va passer, Jésus-Christ a exterminé. Nous lisons dans Habakkuk 3, verset 12. Tu parcours la terre dans ta fureur, à savoir Jésus. Tu écrases les nations dans ta colère. Il y a un pile d'autres versets qui parlent de ça. Nous n'avons pas besoin de prendre tout. Donc, nous sommes censés prendre l'essentiel. Donc, Jésus va livrer la bataille d'Amagédon pour détruire les méchants, etc., etc. Donc, toute malédiction a fini sur la terre. Donc, c'est pour la paix, c'est pour la joie sur la terre. Lorsque Jésus détruit toute bagaille, pas bien méchant encore, pas bien maudit encore, pas bien moun kap ka fè moun mal encore, parce que monde n'a pral béni par la grâce de Dieu. Monde n'a pral béni, c'est pas un monde de réjouissance, puisque Christ l'a en chair sur la terre, pas bien méchant encore sur toute la terre. C'est ça, nous lisons Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire moun ki maudit, pas bien anathème. Anathème, lorsque moun y a anathème, c'est là où moun sa malédiction sous tête li, ou di moun sa maudit. Dans le royaume de Dieu, pas bien anathème. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Donc, les hommes pas apprennent à faire la guerre encore. C'est pour la paix sur toute la terre. Les hommes pas faire la guerre encore. Donc, la terre pourra le transformer, pourra le tranquilliser. Laisse ça, bon Dieu pourra le remettre Jésus trône. Jésus pourra le régner pour 1000 ans. C'est pas la gloire. Après le règne millénaire, ça qui va passer pour nous là, Jésus va le mettre autorité, va le mettre pouvoir avec papa. C'est ça nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 24-26. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute autorité, toute puissance, toute domination, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, dernier ennemi, Jésus-Christ parle détruit, c'est la mort. Les films mettent tout le bagage en papier, les films pour contrôler la terre. Il y a 1000 ans pour la planer la terre. Après 1000 ans, il y a la parole, mais pouvoir pas parler. Et Jésus-Christ a toujours chef, il a toujours roi, mais il sera un roi soumis. Pendant le règne millénaire, Jésus-Christ a venu avec tout pouvoir, toute autorité. Il n'y a pas soumettre les bon diable, toute délégation d'autorité, toute délégation de pouvoir. Et bien après 1000 ans, et bien Jésus a toujours roi, mais il a bien roi soumis. C'est même genre avec mon chef. Il y a un ministre, par exemple, il y a un ministre, et on a pris n'importe quelle figure, un directeur d'une entreprise, par exemple, et il est en voyage pendant le palais, il quitte un monde qui n'a pas place, il monte ça la géré par intérim. En direction à intérim, il est là pour un petit temps. Mais immédiatement, chef là vini, il est toujours chef, oui, mais il n'a pas tout pouvoir, il est gagné
en coalition chef, soumis puisque véritable chef là. Et bien dans le règne millénaire, bon Dieu, ben Jésus le plein pouvoir pour l'agir sur la terre, mais après le règne millénaire, Jésus-Christ sera un roi soumis. Et après le règne millénaire, c'est l'éternité, c'est la vie éternelle. Donc, en gros, mes chers amis, voici notre septième fête, la fête des tabernacles. Fête ça qui symbolisait, qui représentait le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. Jésus a tourné, l'aile tourné. C'est pas un grand jour pour les enfants de Dieu. Eh bien, c'est pas un jour de mardi chanteau pour les enfants du diable. Donc, c'est pas une grande fête sur la terre. On a continué à faire fête ça sur la terre. Par un grand festin. C'est une occasion ça pour gagner les festins de l'agneau. Ça a nouvelé les noces de l'agneau. Gélé qui si quoi que noces de l'agneau est dans le ciel, il peut le faire, nous chérir. Aïssé n'a douché au pas coude. Donc, les noces de l'agneau, c'est lorsque Jésus va sur la terre. Donc, dans la fête des tabernacles, nous pouvons le manger à Christ, nous pouvons le boire avec elle. Quelque part, Jésus est disciple, dans le dernier jour de sa passion, lorsqu'il va mourir le 14 décembre, les dit, Jean, boire, non, vigne ça, le fruit de la vie avec vous, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, dans le royaume de Dieu, n'a pas mangé, n'a boire avec Jésus lorsqu'il va sur la terre. Donc, faites ça, pour le faire encore jusqu'à ça sur la terre, nous allons vivre toute bagaille ensemble avec Jésus. C'est pas une grande fête, grande célébration pour le sur la terre. Nous allons boire pile du vin. La Bible parlait de vin vieux. Il y a plus de vin ancien, plus de plus bon. Donc, eh ben, la Bible parlait de vin vieux, nous allons boire ensemble à Christ, dans une grande fête ça, à la fête des tabernacles. Voilà, mes chers amis, et c'est cette fête que nous étudions ensemble avant. C'est la fin de ces sept fêtes. Nous espérons que vous te joignez assez de grâce, assez de bénédiction pour tendre et comprendre cette fête ça. Maintenant, nous allons regarder si des amis qui posent nos questions. Nous allons suivre pour nous. Est-ce que nos des amis qui étaient ensemble avec nous là jusqu'à présent là et qui posaient nos questions? Et si pas gagné, nous allons saluer quelques monde qui toujours étaient ensemble avec nous là jusqu'à date. Frère Benjamin, par contre, si vous connectez. Ou est-ce que vous remarquez une question là? On va regarder pour moi. Si il y a un appoint, monsieur, vous là pour moi. Nous avons Dieudonné Sandy depuis Chili qui branché. Nous avons Emmanuel Hippolyte depuis Haïti. Nous saluons. Nous avons Jonathan Romulus Manizugo depuis le Canada. Nous saluons. L'innocent des ondes depuis le Chili. Et nous saluons. Les m'a dit pour nous partager. Partager vidéo, partager en direct là pour tout le monde capable de venir lumière. Merci, Innocent des Ondes. Nous saluons les amis, nous, Desi Frézin, depuis les États-Unis d'Amérique. Là, suivons-nous, Desi Frézin, nous saluons. Nous saluons Robin Zioloné, depuis les États-Unis d'Amérique également. L'édile branché là, et dans le campus Novos. Et nous saluons. Bon Dieu béni. Qu'est-ce encore nous avons là? Non, ça c'est Rubens. Ça c'est Rubens Zioloné. C'est pas Rubens, c'est Rubens. Rubens Zioloné, monsieur Chili, je crois. Nous avons Ralph Péquer Blanc. Et l'image de pour partager live là. Monsieur, souvenons là depuis le Brésil. Nous saluons Ralph Péquer Blanc. Monsieur dit, c'est gros bout d'enseignement. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et lui pose une question. Tout, par contre, c'est une question sur Téroya. Qui différence gagne entre fête de la moisson et la fête tabernacle? Merci Ralph Péquer Blanc. C'est une belle question. Différence, sous table, souvenons au début, on va pas de tout faire différence. Fête moisson, lui-même, c'est un fait qui typifie l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ et qui typifie la réception du baptême du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Si on fait, il y a la fête de la moisson ou la fête de la Pentecôte ou la fête des semaines. Fête ça, lui-même, était célébré le 6 suivant. 6 suivant, c'est le troisième mois dans le calendrier juif. C'est le 6 suivant, fête moisson en effet. Tandis que fête tabernacle lui-même, les fêtes du 15 au 21 Tishri, fête tabernacle lui-même, réalité, c'est le retour de Jésus-Christ sur la terre. C'est la grande récolte, la grande moisson. C'est ça qui fait la différence entre deux fêtes. Bien entendu, dans certaines mesures, la fête des tabernacles, c'est également la fête de la récolte, la fête de la moisson, mais c'est la récolte générale. C'est la récolte générale, les mêmes symbolisent le retour de Jésus-Christ sur la terre. Tandis que la fête de la moisson, les mêmes, que bon Dieu t'a demandé pour le peuple à célébrer 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ là, les mêmes les typifier, les pas typifier l'autre bagaille, que
l'effusion du Saint-Esprit, ça t'est passé au jour de la Pentecôte, lorsque 120 est réuni dans la chambre haute. Donc, faites-moi son, les mêmes sont faits, yo fait, parce que bon Dieu bénit le peuple là, yo pral faire un pile récolte, en l'honneur de belles récoltes, ça yo pral faire, et bien yo pral célébrer une grande fête, yo la fête de la moisson, pour y aller remercier bon Dieu pour grande récolte que vous pral faire. Tandis que fête tabernacle là lui-même, si on fête qui dure 7 jours, fête ça lui-même c'est la récolte générale li symboliser. Sous table ral peke blanc, li symboliser c'est la moisson générale. C'est la moisson générale. Donc pas vous pral faire quoi, c'est la dernière récolte sous table. C'est dernière récolte y a fait pour année là, c'est fête ça qui clôture la fin de l'année agricole. Sous table la fin de l'année agraire, dernière récolte, la plus grande récolte, eh ben c'est lui-même qui, avant de faire, célébrer une grande fête, où il est la fête des tabernacles, c'est la fête de la récolte qui fête à la fin de l'année. Là, nous dit à la fin de l'année, ce n'est pas la fin de l'année civile, mais c'est la fin de l'année agraire. C'est-à-dire, c'est la dernière récolte qu'il a fait, c'est la grande récolte, c'est la grande moisson sous table. Donc, c'est la grande différence qui existe entre même entre fête moisson et fête tabernacle là. Moisson lui même c'est pas la grande récolte, c'est fruit te bon avant yo, et c'est orge, c'est blé, c'est fruit ça qui bon, c'est blé bon, mou bon, et ben yo moissonnel. Tandis que fête tabernacle là lui même yo fait pour la grande moisson. Tout type de produit peuple juif la terre fait, tout produit de la terre, et ben tous les arbres fait moisson, ba quoi les arbres là dedans, c'est seulement orge et blé. C'est blé. Vous avez sous tableau là dit mou et blé. Il était récolté dans temps, tandis que fête tabernacle la lumière célébrée parce que vous pourrez faire la grande récolte générale. Tout type de produit peuple là te mettre dans terre, tout semence te mettre dans terre qu'il y a là qui vient bailler produit, eh ben vous pourrez faire la récolte générale, eh ben vous fait aussi pour 7 jours pour célébrer grande fête ça, pour célébrer grande récolte ça. Eh bien, grande récolte, ça, lui-même qui s'est représenté, le représentait le grand rassemblement des enfants de Dieu, lui symbolisait Jésus-Christ qui a retourné sur la terre, et laisse à tout le monde qui était vivant à lever, et ça, pas. Tout le monde qui était mort, excusez-moi, à lever, et l'homme dit tout le monde qui était mort, ça, pas monté dans le ciel, à la fête des trompettes, il a levé, et ça, pas mouru tout, il a venu avec Christ pour la grande fête, pour le règne millénaire sur la terre, enfin, pour la vie éternelle. Le règne millénaire d'abord, la vie éternelle ensuite. M'espère que me satisfait. Desi Frezin, qui a coûté depuis les États-Unis, lui dit, ça vous l'a dit, de auteur qui écrit Chansayo. Chansayo, pas bon. Ah oui, Desi Frezin, mon ami, depuis les États-Unis d'Amérique. Chansayo, pas bon. Ou pas pour chanter yo. Le monde, c'est pas la carne dans le ciel, bras, les trésors, ma kem, tout fils qui m'a dit, je suis vraiment là, et mon bar, je suis trop à l'aise ici, bas, Jésus connaît ce seul ami, moi, si vous pas prendre dans le ciel, au Seigneur, ça m'a fait. Vous avez déjà dit, si vous pas prendre dans le ciel, au Seigneur, ça m'a fait. Or, le Seigneur sera sur la terre, au même modèle, pour prendre dans le ciel. Ou nous, dans des anges, qui brûlent en l'air, c'est menti, qui l'a été des anges, ça. Et m'a pas trop à l'aise, ici, bas, ou nous pas trop à l'aise, ici, bas, c'est dans le ciel, pour aller. Tandis que c'est ici, bas, Jésus qui s'appuie. Et pour dire, ouais, je suis pas bon. Ah ben, nous pas qu'à dire autre rien, tout simplement, nous même qui instruit dans la sagesse, mon Dieu, nous même qui instruit dans la connaissance de la parole de Dieu, nous ne devons pas chanter chant, nous ne devons pas chanter nous-mêmes. Son sang qui chaud, l'homme loue avec chant, ça, oh, pas un côté pour mes corps, mais l'homme prend son, pour analyser chant, yo, par rapport à la connaissance de la parole de Dieu, on dit, ah, chant, il y a un problème, on ne va pas chanter. Ou à l'enterre, mon temps de chanter, vive avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Elle, c'est là le bonheur éternel. Mais on apprend là, le bonheur éternel sera sur la terre. On apprend la terre pour devenir un véritable paradis. Jésus-Christ parle bien mille en amène pour pacifier la terre, pour aplanir la terre, pour que le règne éternel soit capable d'établir. Eh bien, on a chanté vivre avec Jésus dans les ciel. Eh bien, déjà, on a chanté à pas bon. Ou Dieu n'a pas chanté nous-mêmes. Malheureusement, on a assez saleté inspiré. Et quand ça a été inspiré, c'est saleté qui a baillé comme chant. Mais on même qui est dans mon Dieu, on n'a pas chanté. Bon, chanté qui est plus grave. Bon, bon pile déjà même bon de ça pour moi mieux plus grave. Gen yon qui dit et n'importe ciel là yon sentinelle qui campait la bâton la main. Sou sauvé la recevoir. Sou pas sauvé la dou aller. Mais mes amis, comment je n'a pas ça. N'importe ciel là yon sentinelle qui campait la bâton la main. Si vous sauvez la recevoir, sou pas sauvé la dou aller.
mes amis, bye comme ça. Jésus, mon gars. Non, je n'ai pas n'importe ciel, la sentinelle là. Je suis sauvé là, je vois. Je ne suis pas sauvé là, je dois aller. Et il y a un auteur qui dit, il est arrivé dans le ciel là, il a mis les bottes dans le pied, marché tout côté, bah une nouvelle là. Je ne peux pas chanter, chanter comme ça avec mon monde. Ou déjà, mon monde plonge dans l'air davantage. Ou déjà, pas fini avec clair. Ou ap chercher lumière, et puis pour l'autre même, il vient à Edo, il vient à bon chanter, l'ido, il vient dans le ciel, mettez votre nina piel, marchez tout côté, baye bonne nouvelle là. Mes amis, qui est-ce qui va baye bonne nouvelle là dans le ciel là? Moi, la Bible dit cette bonne nouvelle, tu vois, monsieur, va prêcher dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendrait à la fin. Nous, souvent, bonne nouvelle pour prêcher, et puis là, pour prêcher. C'est pas dans le ciel où va prêcher bonne nouvelle, les anges vont prêcher. Mais on dit, on va champagne là. Bon, mes chambres, on va le chanter plus grave là. Ça c'est un terme qu'on aime bien. On va citer non peut-être des gens qui en bas live là. Yo ka kon auteur, yo ka kon côté rété. Auteur ça me quoi li joue gros rôle l'église. Son gros musicien, il joue compas. Les nèg ça joue compas mon cher élevé danser. Monsieur bon musique qui dit l'elle mourir c'est dans ciel il va l'enterrer. Imagine monsieur qui a dit l'elle mourir sur la terre côté le balanter dans ciel. On dit tel va le citer dans monde là, mais non le citer. Li dit l'un tel mouri sous la terre, côté le pas l'enterré dans ciel, en haut dans ciel, en haut dans ciel, en haut c'est la valentéré, en haut dans ciel, en haut dans ciel. De go kata quoi kap marché en bas musique là, tout le monde s'est levé danser, mais c'est un fin ou te abdi. Bon, pas qu'il cimetière dans ciel, et puis l'homme mouri dans ciel ou pas l'enterré. Ou déjà, c'est moi qui n'ai pas formé, c'est moi qui n'ai pas instruit dans la sagesse de Dieu. Donc, si vous avez un nom qui est fait jouer avec vidéo, pour le temps de dire, vous chantez, vous ne pas chanter. Nous saluons Jean-Auguste, nous saluons, nous sommes toujours en communication, nous saluons, et Auré, Jean-Grégoire, Dani, depuis Key West. Nous saluons mon cousin depuis Key West qui est chez nous là, Manouchka Alexis depuis Haïti, bon Dieu, nous saluons toute la famille Alexis, nous saluons Prélus Prénol depuis le Chili, Prénol, bon Dieu, bon Dieu, Prince Soin, nous saluons Ruben Zieloné, depuis le Brésil. Nous saluons Ruben Zieloné, notre cousin. Elinda Lourès et Loralis. Nous saluons Elinda. Merci pour participation. Et Ruben se pose une question là. Est-ce que si vous fêtez, faites Pâques, c'est un péché? Oh, hier, nous avons développé la Pâques dans une émission qui a participé ou qui a participé à l'émission. Vous pouvez suivre. Donc, on m'a dit, si nous faisons Pâques, c'est un péché. Mais si nous avons suivi l'émission au début, nous avons rappelé les 6 fêtes nous avons étudiées déjà. Nous avons parlé de la Pâques. Nous avons dit que Pâques là, il a révolu toutes les fêtes qui passaient déjà. Bon, pas aucune fête nous devons fêter nous-mêmes. Ou pas de fêter la Pâques parce que la Pâques c'était pour les Juifs et pas pour les païens. Mais malheureusement, l'église protestante vient en bagarre les Pâques. C'est l'église catholique qui vient avec l'église protestante. Point, il y a les Pâques chrétiennes. Ça n'a pas existé à travers la Bible. Il y a les Pâques chrétiennes. Nous célébrons chaque 14e jour après. La pleine lune, c'est ça où les dimanches Pâques là. Dimanche Pâques pas existé, mon ami. Yo célébré parce que Jésus-Christ est ressuscité. Fête qui a rapport avec la résurrection de Jésus-Christ, nous te dit déjà, c'est la fête des prémices. C'est fête prémices qui a rapport avec la résurrection de Jésus-Christ. Fête qui a rapport avec la mort de Jésus-Christ, c'est la fête de la Pâque. Mais fête Pâques pas célébré dimanche. Fête Pâques célébré 14 Nissan. 14 Nissan, car n'importe jour de la semaine. 14 Nissan, car bon lundi, car bon mardi, car bon mercredi, car bon jeudi, car bon vendredi. Point barre. Donc, l'église catholique coquée, ils ont pacte dans le au 4e siècle, précisément en 325, à l'occasion du concile de Nicée, qui était fait du 20 mai au 25 juillet. Nous t'ai pas de ça déjà, mon frère. On va rien pas pour fêter avec personne. Donc, on va rien pour prêcher. On va rien pour fêter la Pâque. Donc, c'est son péché. Ma vie, son bail grave, c'est une ignorance profonde qui fait au monde fêter la Pâque. Alors, nous saluons Patrick Bonheur depuis le Canada étant, et Montréal, qui l'a. Il dit musique là bon, texte là pas bon. Donc musique là bon, texte là pas bon, sont seuls liés. Que mélodie à plus musique là sont seuls. Donc, je ne danse pas Patrick Bonheur. C'est pour question de musique là bon, texte là pas bon. Si texte là pas bon, pas transition, musique là pas bon tout. Parce que texte là pas inspiré, je ne danse pas. Parce que les maps danse, c'est parole, les maps danse tout. Parole de l'intérieur qui est mon esprit. Vous faites correction, vous dites non, non, ka ça. Chanter yo pas bon, chrétien pas de chanter. Voilà. Et bon, clair, la chanter pas bon, chrétien pas de chanter. Patrick Bonheur, merci. Puisque chanter pas bon, chrétien pas de chanter, musique là, pas de danser le tout. Pas de danser, musique là tout. Parce que musique là, chanter, au fond, corps. Donc, Prénol Prélus, satisfait, il dit non, merci beaucoup.
Et nous saluons tout pour notre église. Qui tu veux brancher? Alors, mes chers amis, nous clôturons la série 7 fait ça. Nous conjurons tout le monde et qui te suivent tout le sujet. Bon, nous félicitons tout le monde qui suit tout ce sujet. De la fête de la Pâque à la fête des tabernacles. Donc, nous captons toujours sur Facebook ou bien sur YouTube. Nous avons tout le sujet ça. Nous continuons de tendre. Moi, de temps en temps, je peux passer, je peux organiser des vidéos, nous-mêmes, tout le monde fait même genre, pour un peu l'autre monde qui n'a pas de connaissance du sujet, pour un objectif là qui ça. Ce n'est pas montrer que nous connaissons, c'est partager connaissance, bon Dieu, non, à tout le monde. Parce que bon Dieu dit. Il y a une question. Jésus dit, bonne nouvelle, on va nous prêcher dans le monde entier pour servir de témoignage. Non, même bon Dieu permet que nous connaissons en partie cette bonne nouvelle du royaume, nous partager le bâton à travers Facebook, ou même qui soit pour faire, ou bien également pour. Et là, il y a le commentaire, il y a la vidéo m'a viré. Ah, vidéo m'a viré, c'est... Excusez-moi, je vais m'organiser ça rapide là. Ok, c'est rétabli. Voilà, merci beaucoup. Donc, dans notre question, la question dit, est-ce que la Sainte Cène, ce n'est pas un Pâque que Jésus-Christ. Oh, mon frère, nous étudions la Pâque. Ou est-ce que tu as suivi? Non, vous avez des problèmes. On a bien. Non, c'est la Pâque déjà. Non, c'est la Pâque, non, c'est la Sainte Cène. Donc, je vous conseille d'aller sur YouTube, écrit Jean-Garry Bonheur, et puis nous avons monté après toute licence à mamie. Ou après la Pâque, ou quand réviser la Pâque, ou après la Sainte Cène. Et m'organiser plusieurs séances avec la Sainte Cène également. Semble m'organiser ou pas suivre. J'ai l'impression que c'est important pour me continuer et reprendre le sujet. Donc, parce que y a des gens qui pas suivre tout enseignement. Donc, mon frère, nous étudions la Pâque, nous étudions la Sainte Cène. Pâque par Sainte Cène, Sainte Cène par Pâque. C'est deux institutions différentes. C'est deux enseignements différents. Il y a la Pâque, il y a la Sainte Cène. Nous fait tout détail ça déjà, nous établissons déjà, nous étudions déjà. Allez sur YouTube, checker Jean-Garry Bonheur, et bien, attendez deux enseignements ça. Attendez la Pâque avant, après ça, attendez Sainte-Cène. Bon, souvent, attendez Sainte-Cène seulement, parce que dans, avant nous étudier Sainte-Cène, nous avons pile de détail qui est capable avec la Pâque. Laisse ça, on va gagner une vision. J'ai l'impression que aujourd'hui, alors, c'est célébrer, si Pâque là, c'est bien là, on va dire pile mon joyeuse Pâque. Pâque pas Sainte-Cène, mon frère, Sainte-Cène pas Pâque. Ou dit ou pas répondre, nous connaissons pas répondre, nous pas répondre. Mais mes amis, vous avez déjà répondu, pas répondre. Vous avez déjà répondu, pas répondre. Parce que nous pas étudier Sainte-Cène là, mon frère. Nous pas étudier Sainte-Cène là, moi étudier déjà, ou Benzil ou mon cousin, qui vit au Brésil. Moi, d'où ça pour faire, c'est pour aller sur YouTube, taper Jean-Garry Bonheur, et puis après Sainte-Cène, ou étudier Sainte-Cène. Lorsque vous étudiez Sainte-Cène là, ou pas besoin de détails, Pâques là-dedans. Si vous pas satisfait de détails, Pâques là-dedans, elle prend enseignement, Pâques de enseigner, laisse ça, ou même avoir une lumière. Moi, je dis déjà, Pâques pas Sainte-Cène, Sainte-Cène pas Pâques. Non, c'est un résumé pour nous. Je ne vais pas détailler tout simplement. Sainte-Cène pas Pâques, Pâques pas Sainte-Cène. Donc, des frères et les États-Unis, ils disent, nous là. Avant ou aller, lis Jérémie 48 pour moi. Ah, des frères et les États-Unis, déposé sur moi là. J'ai 48 pour lui, mon nom. Non, saluer Itama Zamor. Merci, la soeur Itama Zamor. Bon Dieu, bénis ma soeur. Merci beaucoup. La soeur Itama Zamor de l'Église de Jésus-Christ des Héritiers du Royaume. Alors, nous partageons même foi chrétienne. Donc, nous saluons. Patrick Bonadi, au Goba, est là. Bon, regardez-moi. C'est une précision, moi, t'es poté pour musiciens qui gagnent enseignement, sa cap composé. Ah, ok. D'accord, c'est bon. C'est bon. Jérémie 48. Je vais dire, en allant Jérémie 48 avec lui là. Et nous, par contre, pour qui ça m'a donné Jérémie 48 là? Pour moi, il faut me suivre un rapport avec enseignement. Okay. Ah, mais l'île quand même. Jérémie 48, tu ne pas dire nous qui verset non? Frézin, c'est tout verset honnête. Ah, il y a un peu 47 verset. Un 47 verset, on m'a donné pour le livre là. Eh bien, l'île rapide pour lui. L'île fort pour pas attendre. Sur Moab, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, malheur à Nebo quand elle est ravagée, qui jataillée mais confuse, elle est prise, Misgab est confuse, elle est brisée, elle n'est plus, la gloire de Moab
à Hezbon, on médite sa perte. Allons, exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des cris portent des coronaïm. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Moab est brisé. Les gens, alors les petits font entendre leurs cris. Quand on répand des pleurs à la mort. Les dieux nous parlent de coronavirus là, verset 3. Verset 3 parle de coronavirus là. De corona. Des coronaïm. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Ah, le coronaïm, c'est le coronaïm, le coronavirus. Oui. Le coronaïm, le coronavirus. Ah, on même voulait dire coronaïm, le coronavirus. Donc, enfin, on a levé le vocabulaire coronaïm, non? Ouais. Il parle de corona. Il parle de corona, verset 5, verset 3, mais c'est pas son thème qui est corona. Coronaïm. Son lieu. Son lieu. Des cris portent des coronaïm. Des cris. Ouais, c'est-à-dire de coronaïm, le monde commence à crier. Oui, de coronaïm. De coronaïm. Son territoire est désifrézin. Son territoire qui relève coronaïm. Son territoire. Il dit des cris portent de coronaïm. C'est-à-dire que le monde a commencé à relever, commencé à crier tellement bien détresse, qu'elle m'a bien ravage dans le lieu. Le monde a commencé à crier depuis coronaïm pour y venir. Tout l'autre côté où je ne reste pas. Donc, son lieu qui est comme ça, ce n'est pas un virus, ce n'est pas un coronavirus. Et un désir. Mon ami Désir Frézin, je ne suis pas satisfait. Parce que nous décrit pas de coronaïm. C'est deux. Là, nous gagnons. Comment nous la proposition circonstancielle de lieu. Décrit pas de coronaïm. Circonstancielle de lieu. Donc, ce n'est pas son lieu et son zone. Moun commence à brûler, moun commence à crier parce que bon Dieu a fait ravage dans la zone. Donc, merci beaucoup pour la participation. Nous comptons pas se satisfaire. Ce n'est pas vraiment une maladie ou un corona qui a la mort de jeudi là, qui a ravagé le monde. Donc, corona qui a ravagé le monde, il entre dans le plan, mon Dieu. Nous avons enseigné sur ça déjà. Nous avons la COVID-19, gardez-vous d'être troublé de la COVID-19. Donc, coronavirus, là, il est dans le plan bon Dieu, c'est bon Dieu qui fait la frappe de la terre. Pas rien qui fait sans bon Dieu par au courant. C'est bon Dieu qui ordonne. Bon Dieu a passé la mêlée en revue, bon Dieu a tué les hommes, bon Dieu a fait les hommes qui étaient fréquents. Mon qui pense gros chef, bon Dieu commence à nettoyer les hommes pour la frapper les hommes dans le jour qui est venu. Donc, les hommes prennent gros frappe, ça, on t'y frappe, bon Dieu, ben, là. Bon Dieu, font t'y secouer col pour le samé sur vous. Les gars, on va voir rien, non, ça. Les gars, on va voir rien, bon Dieu, font t'y secouer col. Mais lorsque t'es arrivé, bon Dieu a frappé la terre. Dans la période de tribulation, pour vivre dans la grande tribulation, c'est pour des choses extraordinaires, c'est pour des choses terribles qui peuvent frapper la terre. Alors, je pense que nous allons arrêter là, puisque tout le monde est satisfait. Donc, je ne vais pas répondre à une question, non, cher ami. Et Rubens, alors, je ne vais pas répondre non. Donc, Pâques pas Sainte-Seine, Sainte-Seine pas Pâques, mon frère. C'est deux services différents. Bon Dieu mette fin à Sainte-Seine. À Pâques là, puisque c'est Jésus-Christ qui Pâques là. Jésus-Christ qui a établi un autre service. C'est seulement son autre service lié. Il n'est pas représenté la Pâque, il n'est pas la Pâque. C'est un autre service. Christ est établi dans le dernier moment avant de mourir. Dans la dernière minute, dans la dernière heure de mourir, il est établi un autre service qui c'est la Sainte-Seine. Donc, pasteur, pour ne pas comprendre ça trop bien, non seulement on fait Sainte-Seine, ils ont fait la Pâque, ils ont les Pâques, ils ont pas chrétienne, ils ont les Pâques chrétiennes parce qu'ils ont commémoré la résurrection de Jésus-Christ. Mais si on était plus bien formé par ça, si bon Dieu t'a fait plus grâce par ça, on t'a connaît que Pâques pas grand rapport avec la résurrection de Jésus-Christ, pas grand rapport avec la mort de Jésus-Christ. C'est la fête des prémices qui a rapport avec la résurrection de Jésus-Christ. Fête prémices a été faite le 16 décembre, Jésus-Christ mourut le 16 décembre. La Bible dit Jésus-Christ c'est prémices de tout le monde qui mourut. Donc Jésus-Christ, il est la prémisse de ceux qui sont morts. Jésus-Christ, c'est la réalité de la fête des prémices. Fête, ça a été fait le 16. 16, même 16 là, mon ami Rubens, 16 là, pas obligé un dimanche. 16 ni sans Jésus-Christ est ressuscité, il est capable bon lundi, il est capable bon mardi, il est capable bon mercredi, il est capable bon samedi, etc. Par exemple, nous avons fait calcul le 16 décembre. 16 décembre, mon ami, jeudi à la, c'est vendredi, oui. Vendredi qui se passe à la vendredi 10. Et lui qui 16 décembre, c'est dans la date ça Jésus est levé dans la mort. Il coïncidait à vendredi. Jésus mourut 14 décembre. 14 décembre, c'est mercredi qui était 14 décembre. Mercredi 8 avril, c'est lui qui était 14 décembre.
Donc si le monde a fait le vendredi, c'est là, c'est posé fêté 14 décembre mercredi. Donc pourquoi tout le monde est dans la marée dans le monde? Donc je tellement pas. Bon Dieu, pas permettre de comprendre d'où. Et ça qu'on fait tout ça, on fait là. Donc, Pâques, pas fêté dimanche. Pâques là, qu'a fêté n'importe jour. L'aide de café était pour le peuple qui était confété Pâques, le peuple juif. Pâques était confété le 14 Nissan. 14 Nissan, mon frère, qui a tombé n'importe jour de la semaine. Les Jésus-Christ est mouillé, Pâques est tombé au vendredi. Mais année qui suivent l'an de Jésus-Christ, Pâques pas tombé au vendredi, Pâques tombe l'autre jour, mon ami. C'est ça de qu'on est. Année ça Pâques tombé au mercredi. Mercredi 14 Nissan. Dans le calendrier juif là. Mercredi, il était 8 avril pour nous. Jésus-Christ est ressuscité le 16 Nissan à la fête des pains, à la fête des prémices. Eh bien, année ça, mon cher, 16 Nissan, les bons dimanches, 16 Nissan sont vendredi liés. Ça veut dire pas qu'il y a rapport avec Dieu. C'est l'église catholique qui coquait un dimanche Pâques dans le monde. Fait chaque année, on a fait gros fête dans l'église, on peut manger, mon la caille, gros poisson cuite, on peut le betterave, on peut le pois blanc, on peut le durée blanc. On va dire l'église catholique qui fait nous mal ça. Et puis l'église protestante entre là-dedans, tête en bas, sans comprendre. Et puis on vient avec un pacte chrétien. Et puis on converse de la Bible, on va même comprendre. Même on dit Jésus-Christ m'a dit pour célébrer la Pâque. Et même on est jusqu'à parler de la fête des pains sans levain. Dans 1 Corinthiens 5, verset 8. Quand il a dit seulement la fête, non avec du vieux levain, mais avec le vin, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec du levain de la pureté et de la vérité. Voilà, moi de là, c'est absolument fait personne le vin, c'est le vin de la pureté pour retirer la vie. C'est-à-dire, l'homme changer vie, l'homme marcher droit devant mon Dieu, l'homme chercher la sanctification, l'homme chercher la pureté, l'homme marcher dans la vérité. Eh bien, c'est fait personne le vin, on va célébrer dans la vie chaque jour. Donc, même il va comprendre ça, il dit c'est Pâques, mon Dieu, mandé pour célébrer, il est carrément la Pâque chrétienne que l'Église catholique établit en 325 à l'occasion du Concile de Nicée, qui était réuni entre 300. À 359 prêtres catholiques. Il était commencé le 20 mai, il finit le 25 juillet. C'est dans la même occasion, il vient avec question de Dieu, trois personnes. Il dit bon Dieu, c'est un étoilier, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité, qui fait l'église protestante. Il y a le bon Dieu, trois personnes, mais il n'y a pas de faveur. Il n'y a pas de ça. Et nous-mêmes, nous connaissons le bon Dieu, pas trois personnes. La Bible dit Dieu est unique. Il n'est pas trois, il n'est pas quatre, il n'est pas cinq, il n'est pas deux, il est unique. Donc, c'est l'église catholique tout qui vient avec Noël là, chaque 25 décembre, tout Jésus mourut 25 décembre, pour diable Jésus, Jésus va mourir au mois de décembre même, et puis voilà Noël, l'église protestante, gros fête, chaque 25 décembre, etc. etc. C'est l'église catholique qui vient avec Baïsao, dans le même concile là, le concile de Nicée, c'est la première grande assemblée générale œcuménique de l'église catholique qui te réunit les églises d'Orient et les églises d'Occident. Bon, c'est d'après là, et d'après là, Patrick Bonheur, frère Patrick Bonheur depuis le Canada, mon grand frère, il a dit frère, frère, un bagaille. Il regarde et tend des vidéos encore. Wap, maîtrise-le. Ok, c'est bien. Donc, nous conseillons tout le monde, et ça pour nous faire, partager vidéo. Là, nous dit partager, c'est pas pour faire, ouais, même j'en avec l'autre, on a demandé partager. C'est pour faire plus de monde comprendre parole. C'est ça l'objectif là. C'est pour faire plus de monde comprendre vérité. Plus de monde veut nous connaissance au royaume, mon Dieu. Les gens comprennent bien, fait tabernacle, c'est le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. Avec pas une église qui va demander, et bien, année ça, nous allons célébrer la fête tabernacle. Les gens comprennent, fait Pâques là bien, les papes mando, l'année prochaine, nous allons célébrer la Pâques. Les gens comprennent bien, fête paix sans levain, les papes mando, l'année prochaine, nous allons faire 7 jours à manger paix sans levain. Les gens comprennent bien, fête moisson, les papes mando, pour aller célébrer la Pentecôte. Année ça là, nous allons célébrer la Pentecôte. Si je ne me trompe pas, Pentecôte, c'est en mai, quoi. En mai ou juin. Oui, mai ou juin. Et la Pentecôte pour célébrer. Donc, en pile l'église protestante à travers le monde, c'est pas Haïti seulement, à travers le monde, ils vont célébrer la Pentecôte parce qu'ils ne comprennent rien, ils ne comprennent grand chose dans la bagaille. Donc, cette fête de la rédemption, le maîtriser au bien, ou comprendre en pile bagaille dans mon Dieu, ou qu'on qu'il est cette septième trompette là, à fête, ou qu'on qu'il est l'événement de l'épouse à fête, ou qu'on qu'il est Joshua à porter la caillou, qu'il est bon Dieu pour baptiser Joshua du Saint-Esprit, ou qu'on est qu'il est mission l'église a fini. Ou pas dire l'église avant enlever mon dimension, l'église finie, l'église va le désertique, l'église va le cacher dans les rochers, bon Dieu va le fortifier mon yo, ou qu'on tout bagaille ça yo, ou qu'on aime bien fait tabernacle là, c'est lui-même qui c'est le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre, c'est le retour imminent de Jésus-Christ sur la terre. Donc, nous conseillons tout, continuez, partagez connaissance avec l'autre monde, pas qu'il y ait pour nous,
organisez séance de vidéo, faites table ronde, réunis des hommes et des femmes dans l'église, nous, la jeunesse, le comité l'église, tout le monde. Faites débat sur le sujet. Et puis, n'a pas prendre un pile bagaille, qui a beaucoup la vie, nous, qui a beaucoup d'hommes, nous. N'a pas suspendre prêcher le monde, ça qui va la vérité, parce que c'est seulement le monde qui compte vérité, qui marche là-dedans, qui a sauvé. Pas de personne qui est ignorant de la parole de Dieu, pas de quelqu'un qui a connaissance tête en bas, qui va l'entrer dans le royaume de Dieu. Pour bien servir mon Dieu, il faut connaître mon Dieu. Pour bien servir mon Dieu, il faut connaître mon Dieu. Comment on parle contre mon Dieu? On va connaître mon Dieu à travers sa parole. Donc, il faut étudier la parole là, il faut connaître la parole là, ou pratiquer elle. C'est ça qui a bon droit à la vie éternelle. Que mon Dieu bénisse nous, bon Dieu prenne soin nous, bon Dieu dirige nous, bon Dieu garde nous, c'est de nous passer une bonne semaine. En pile prudence, lavez mes noms, respectez toute règle hygiénique, mes amis. Pour ne pas attraper maladie, a pas dit c'est serviteur bon Dieu non yé, nous avons la foi, n'a peut-être nous aller. La Bible dit l'homme prudent voit le mal, il se cache. Les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit le mal, il se cache. Les simples avancent et sont punis. Mon cap servi bon Dieu, c'est mon qui doit prudent. Yo dit pas là bon mal là, il juste parler. Il va pas dire m'en braler parce que petit bon Dieu mien. Eh ben soit aller bon Dieu quitter mal à frappe. Parce que vous attendez. Vous devez laver mon, Vous devez 1m50, 1m50. Tout ça, vous pouvez faire. Vous devez confinement, Pas de vous peut-être aller, etc. Vous avez un problème vous-même. Vous êtes enfant de Dieu. Mais vous avez échoué. Vous avez péri. Donc, respectez tout principe. Tout ça, vous avez pour faire. Et laissez à bon Dieu lui-même la protéger, la garder. Et laissez à bon Dieu éloigner la maladie loin de vous. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu prenne soin. Bonne fin de journée, très bonne semaine au nom de Jésus. À bientôt.